Je l'ai su dès le premier jour que nous allions nous revoir. N'est-ce pas, Adrienne? Bon, bonjour à tous, c'est Maxime Moulin, on se retrouve pour la suite des aventures de Hitman au pays des lapins constipés. Et on va continuer d'aller massacrer des pauvres pas innocents. Et c'est toujours des connards hein, qu'on nous ordonne de tuer. Heureusement, hein, si on nous demandait de tuer le petit gamin du coin juste parce qu'il ouvre trop sa gueule, mais ça me dérangerait pas de le faire. Allez, normal. On va faire un dernier acte qui se déroule en France. Et je vous en dis pas plus, vous verrez, il y a une surprise à la fin. Ah, mais la surprise, elle est bonne, hein. Average. Le scoop du siècle, c'est un double assassinat de vignerons au Chili. Ce ne sont pas les victimes qui ont attiré mon attention, mais le tueur. Je pense qu'il s'agissait de Monsieur 47. Le clone tueur chauve. Allons, Jack, c'est une légende urbaine. Même la CIA et votre FBI affirment qu'il n'existe pas. On raconte beaucoup de choses, Rick. Ça fait partie du boulot. Le cadeau d'un homme qui avait réussi. Et ceux qui ont réussi dans ce domaine ont tendance à bien se protéger. Peu de gens étaient capables d'exécuter ce coup en solo. Alors vous êtes sur la piste d'un mythe. Un mythe? Non. Cela a simplement attiré mon attention ainsi que celle de l'un de mes amis de la CIA. Et l'incident à l'opéra ne fait qu'accroître notre intérêt. Regardez. Mars 2004. Déjà? Désolé. Qu'est-ce qu'il a écrit? Caca! Caca, caca! 47. Nous avons une petite affaire à régler à l'Opéra de Paris. Il y a deux cibles. Alvaro Dalvad, le célèbre ténor, et Richard de la Hunt, l'ambassadeur américain au Vatican. Notre client affirme qu'il contrôle un réseau de prostitution et un trafic de jeunes garçons et filles d'Europe de l'Est. La Tosca est encore en répétition et l'opéra est en pleine ébullition. Vous n'aurez donc pas trop de mal à vous fondre dans le décor. L'ambassadeur de la Hunt assiste à la plupart des répétitions depuis sa loge. Il ne se déplace jamais sans escorte armée et l'opéra dispose également de son propre service de sécurité. Vous pouvez utiliser la couverture des équipes de construction qui rénovent le théâtre pour la saison à venir. Nous vous avons laissé du matériel dans les vestiaires. Dans le troisième acte de la Tosca, le ténor fait face à un peloton d'exécution. Cette scène paraît le moment idéal pour agir. C'est une mission un peu plus claire, 47. Mais l'agence a eu quelques problèmes à Paris. Soyez très prudents. Et on sait quels sont les problèmes. Oui, Hitman Contra. Bon, vous remarquerez que, accessoirement, Alvaro Dalvad a changé de nom, vu qu'il n'avait pas ce nom-là dans Hitman Contra, mais Richard de Hunt, c'est le même. Oui, oui, ça déroule juste avant Hitman Contra. Et vous aurez encore un autre gros indice à la fin. De la mission, vous verrez. Ah, vous remarquez, ils ont aussi changé de gueule, hein, vous le verrez. Ils ont changé de gueule. Eh ben dis donc. Et lui, il a changé de life, hein, aussi. Alvaro Dalva, le ténor italien, ne vit que pour l'opéra et a la réputation de jamais être satisfait de la prestation des autres interprètes. Un vrai connard, ok. Alvaro cherche la perfection en toute chose, mais cette obsession de son art cache aussi de sérieux défauts. Là. D'impressionnantes sautes d'humeur et à développer une forte attirance sexuelle pour les adolescents des deux sexes. Ok, il est bisexuel, pédophile, ok. Il est soutenu par un fervent admirateur, l'ambassadeur américain Richard Hunt. Depuis peu, ces deux-là sont inséparables. Comme Dumb and Dumber,
Ok, 1m75, 66 kilos, cheveux noirs, âge 45 ans. Et l'autre, 57 ans, 1m86, 70 kilos, cheveux bruns, tu m'emmerdes, la manette, je te touche presque pas. Donc putain, mais c'est quoi cette manette de merde? Attends, mais je veux dire, il n'y a pas de nœud, il n'y a aucune raison pour qu'elle plante. Richard Hunt est un homme dont les jours sont comptés. Il est constamment entouré de gardes du corps en smoking avec armes et oreillettes. Soupçonné d'être impliqué dans un réseau de prostitution d'enfantine. Ok, vraiment sympa les deux, hein, des pédophiles en rigueur. Il a beaucoup d'ennemis, il le sait. Il passe désormais son temps à veiller sur le seul ami en qui il puisse avoir confiance, le ténor Alvaro Delved. Ah, deux pédophiles qui sont potes. Et c'est l'interprète principal de la nouvelle Tosca de Puccini, dont la première a bientôt lieu à l'Opéra de Paris. Putain, le fantôme, il va être content. Putain, si c'est pas moi qui les bute, c'est lui, hein. L'ambassadeur assiste à toutes les répétitions et surveille les moindres faits et gestes d'Alvaro Delved depuis la loge, avec une fascination sordide proche de l'obsession. Ok. Moi, ces mecs me foutent les balles. Et me volent les balles, le coracololo, hein. Bon. Un sniper. On n'en aura pas besoin. Waouh, on commence juste avec ce strict minimum. Pas besoin d'améliorer, j'améliore pas pour l'instant. Je prends ça. Et on joue. Ah, pas besoin du sniper, hein, ça. On peut se la faire sans. On est des bonhommes. On est forts. J'ai mal à la jambe à force de me la taper. Oh mon dieu, il est méchant. Il tape sa jambe. Qu'est-ce que je fous? Cassez-la, vous. Bonjour. Ah, Tosca. Je la connais pas trop, cette pièce de théâtre, mais bon. Bonjour 47. Bonjour 47. Bonjour. Bonjour moi-même. Alors, première chose, on va aller ici. Bonjour monsieur. Voilà votre veste, monsieur. C'est fou ce que le son est différent. Un Luger. Désirez-vous votre veste, monsieur? Je voulais juste récupérer quelque chose dans l'une des poches. Je la prendrai plus tard. Les toilettes des coulisses sont bouchées. Que se passe-t-il ici? Ils répètent pour Milan, mais il y a aussi des travaux en cours. On est tous débordés. Ce n'est malheureusement pas très drôle. Donc, nous, on va aller étrangler l'autre. Je vous dis, il n'y aura personne qui passera aux toilettes. Ah oui, les touristes, ils auront plus envie de pisser, je vous jure. Je l'avais... Une fois, j'ai pas caché le cadavre. Personne n'a rien remarqué. Mais bon, je préfère quand même le cacher, parce qu'il y a quand même une cachette dans les toilettes. Bon. Brush. Ah non, merde, je viens de faire le con. Désolé. Oups. Vous n'avez rien vu. Oui. C'est la seringue que je dois sortir. C'est vrai. Faut se calmer. Calme-toi, Maxime. Couchez. Couchez. Fail. Et oui, je dois faire mon maître assassin. C'est vrai. Bon, on va essayer, hein. Vu comme ils ont été connards la dernière vidéo avec moi. Bon. On a deux trucs de sédatifs, on pourra pas augmenter. Donc faut être très prudent avec. Maintenant, tu vas faire dodo. Ne jamais jeter les trucs qu'on ramasse. Ok, c'est bon. On se débarrasse du corps. Et on sera plus emmerdé de ce côté-là. Je prendrai que deux costumes dans ce niveau, mais il y en a plusieurs. Il y a celui d'ouvrier, il y en a même de différentes couleurs. Il y a celui de mec de la sécurité du truc, comme celui, le réceptionniste qu'on a parlé. Il y a costume d'acteur, ceux qui sont sur scène. Le costume de bourreau, c'est un acteur bien particulier, et qui permet d'accéder, c'est celui qui tire sur Alvaro Delved, avec un faux pistolet dans le truc. Et nous, on en a un vrai, donc
Nous verrons, on peut interchanger pour le faire tirer, c'est ce qu'on fera, d'ailleurs. Ou on peut le faire nous-mêmes. Mais je préfère le faire tirer, c'est plus drôle. Et on a pour finir le costume de garde du corps qui, lui, je prendrai, parce qu'il est aussi pas pratique. Bonjour, bonjour, j'ai un petit cul. Quoi ? Y'a un problème ? Elle te plaît pas ma gueule ? Hein ? La serrure est fermée. Je pense qu'on va passer par autre part. N'est-ce pas ? Ça te dérange pas, Maurice ? Pousse-toi, Maurice ! Tu fais chier, Maurice ! On va passer par autre part. Bon, ça va, on a notre temps. Tant qu'on fait discret. Voilà les gardes du corps. Vraiment la tenue, je cours. Non, c'est bon, même quand on court, ça les dérange pas, généralement, hein. Oui. Ce qui est pratique. La question, fallait que je renouffe, quoi. Non, faut que je descende, c'est en bas. Voilà. On va descendre. Les agences de presse américaines annoncent que le vice-président des États-Unis a été tué dans un accident de la route lors d'un trajet de routine. Attends, je peux écouter ta radio. La Maison Blanche a confirmé cette nouvelle. On attend de plus amples informations. Ah, tu le savais, toi, ça ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? T'aimes pas que je te mette les fesses ? Oh là là ! Aussi, on peut faire un Easter Eyes dans le coin. Mais je sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Non, je pense que je vous le montre pas. Normalement, on peut accéder au club des rats, mais le problème, c'est très risqué. Et, je risque de me faire gauler, donc. Ouais, non. On va pas le faire. Bon. Nous. On va prendre ce escalier pour monter. Bonjour. Continue de vous bourrer la gueule, hein. Moi je suis juste là, hein, de passage. Hein. Salut toi. Bon, reprenons notre voie normale. Ça pue un peu le gaz, mon vieux, ici. On peut les pousser. Et normalement, si on les pousse et qu'ils nous voient pas, ça ne change pas le score. Moi, ça m'avait pas changé le score. Mais après, normalement, faut pas le réveiller. Hein. Enfin, pour pas qu'un autre PNJ le réveille, parce que... Pardon, je me suis planté! C'est vrai, c'est ici. Bonjour. Bon, ici, il y a un costume d'ouvrier, mais... Ah, c'est chiant à avoir, hein, ce costume. Donc, voilà. On va pas se faire chier. Moi, je vais aux toilettes, hein. Ça te dérange pas, mec. J'ai le droit de pisser, non mais. Ok. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est gênant. Bon, mon but, vous l'aurez compris, ça va être de lui injecter un bon coup de sédatif. Parce qu'en fait, il est gênant. Parce que lui, il nous go, il est gênant. Parce que... Et puis, deuxièmement, parce que son costume est très pratique. Donc c'est pour ça que je veux le prendre accessoirement. Donc là il y a Delaine qui applaudit. Connard, tu viens? Connard, j'ai besoin de te parler. Connard. Accessoirement, j'aurais besoin de te parler. Je crois que c'est une poutre. Où est-ce qu'il va, ce con? Ah merde, c'est vrai qu'il va là. Bon.
Alors, bon, mon plan va être très simple. Échanger flingue, mais ça on le fera à la fin. Enfin, juste après ce que j'ai prévu à la base. Poser bombe, avec costume de garde, du corps. Et puis s'il m'emmerde avec le costume, non mais c'est chiant sinon. Hein. C'est saint au dieu. Je préfère essayer d'éliminer un obstacle, au moins ça vous montre un costume. Hein? Oui. Et puis c'est comme ça que j'ai fait la première fois. Bonjour, je suis chauve. Les chauves sont roux. Vous ne trouvez pas, monsieur? Eh, il fait chauve dans le coin, non? Eh ben putain. En fait, je vais charger. Allez, charge. Puis au pire, s'il me tourne, je le neutralise parce qu'il y avait personne qui passait à ce moment-là. C'est pas moi. Et c'est vrai que ce con, il ressort la corde à piano. Donc là j'attends qu'il parte et ensuite je pouf pouf avec ma seringue. Ça c'est chiant qu'ils reprennent la... le truc que je veux pas. J'ai le droit d'être là, non? Rien vu. Ouf. Il a rien vu. Non, vu qu'il se promène tranquille, il a rien vu. Ouh. Eh ben dis donc, tu me fais des frayeurs mon gars. Et en plus il a une bonne arme. Monsieur. Costume garde du corps. Traînez au corps d'ailleurs. Ouais. oui. Attends, mais Emory, ça va essayer de traîner le corps. J'adore, il était en train de traîner rien, 47. Ce qui est tout à fait normal. Bon. Oh, les cibles donc sont en train de rentrer chez eux de leur côté. On a leur truc. On attendra qu'ils reprennent la scène. En attendant, on pose la bombe. Et on ne revient plus dans les chiottes. On va essayer d'éviter le risque. Et puis, il n'y a plus personne. Et puis, accessoirement, il n'y a personne d'autre qui va dans les chiottes. Donc, c'est tranquille, les chiottes, l'endroit le plus tranquille ici. Alors, lui, il est chiant. C'est lui qui arrêtait pas de crever. Enfin, qui était mort par l'explosion. Quand j'avais posé la bombe. Non, je la pose pas là, en fait, la bombe. Je la pose ici. Vous verrez pourquoi. Non, là-bas, c'est pour tuer l'autre con. Et tu sais, accessoirement, quand je te demande de fermer une porte... Hein... Voilà, ça nous sera utile. C'est pour faire péter le chandelier qu'il y a sur le truc. Le problème, c'est que je dois le pousser sans le tuer. Juste en l'assommant. Ça va demander de la rigueur, mais on va essayer. C'est faire la technique comme je vous l'ai dit avant. On va essayer. Ouais, bon, c'est pas ce que j'appelle le pousser sans le tuer. C'est ça le problème. Parce
que je pense que si je le tue, il y aura des problèmes. À moins que ce soit compté comme accidentel. Mais... les connaissants... on n'est jamais sûr. Après, vu que le lustre est compté comme accidentel, qui sait, mais... est-ce que je tente le risque? Le problème, c'est que ça risque d'alerter... les gens, tout ça. Arrêtez! Ok, j'arrête! Faudra juste prier donc pour qu'il passe pas. Au moment où il y a bon. Ou je reviens plus tard. Non mais. Oui, oui. Je sais. C'est censé être une soluce, donc bien vous montrer tout. Mais bon. Bonjour, je suis chauve, vous n'êtes pas étonné. Encore ici il pourrait survivre si je le pousse. Pense. Et ici il y a une belle vue, attends ça mais nous, je vais essayer de visiter un peu. Oh merde, il y a l'autre con qui va aux toilettes. Ouh, ça je m'en rappelais pas que l'autre con allait aux toilettes. Fais chier. Le problème, c'est que découverte de cadavres, c'est mort. On va essayer de perturber l'autre. Et se grouiller. Attends. Il est à peu près où? À ce moment-là. Oh putain. On va essayer de le grouiller, de le perturber. Ce serait con. Bon. Oui, je sais. Bon, ça, maître assassin, c'est pas pour te dire. Évidemment, la première fois, y'a personne qui passe dans les toilettes, à part le garde. Mais la seconde fois, oh, mais oui. Bon, cherchez pas, j'arriverai peut-être jamais à faire maître assassin dans celui-là. Oui, en vidéo, ça marche toujours, mais en vidéo, syndrome du filmeur. Oh non, si le prochain niveau j'y arrive pas, c'est vraiment là, j'ai pas de chance. Bon. Bon, Silver Baller. Il n'y a que ça qui marche. Ah, il va pas me faire rater mon truc. Bon, éliminez pas le mec au pire. Hein. Je sais pas. Vous faites en sorte que les mecs reviennent pas de scène à ce moment-là. Le con. Ou non, trouvez un moyen de le perturber. Normalement, si vous entrez dans la loge, il va aller alerter les flics et après il sera perturbé et il ira pas aux toilettes. C'est ce que ça m'a fait. J'avais su. Oh. Le problème, c'est que maintenant, ma technique... marche pas, donc essayez de faire comme ça et puis faites ma technique. Oui, parce que j'ai pas envie de refaire le niveau là. Bon. On va prendre le costume du bourreau. Et on va se rendre sur scène. Et on va espérer que ça marche. J'espère. Bon, on va faire ma méthode, voilà quoi. Bonjour, monsieur le bourreau.
Ouais, tout le monde est prêt. Je suis sur mon marquage. Heureusement, bon, au moins mon second plan pourra marcher. Ça veut dire la mort de Delahunt, normalement, devrait. Tu chantes mal, tu sais. Bon, je sauvegarde au fur et à mesure parce que je sais pas exactement quand intervenir, mais bon. J'ai pas suivi la pièce. Bonjour les gars. Par hasard. Bon, on va le laisser chanter en gros. Parce que je pense que tant qu'il chante, c'est que c'est pas à moi. Non, c'est quand elle fait le... putain, qu'est-ce que je fais là? C'est ce qu'il est en train de se dire, en fait. Putain, ben je devais chercher un Big Mac. Attends, je vais tester un truc. Bon, vous m'appelez hein, quand la pièce est terminée, hein? Ah, parce que moi, j'ai pas que ça à faire. Le mec trop con. Vous m'appelez quand la pièce est terminée, mais je vais que ça à faire. Le mec, il suit pas le truc. Oui, c'est totalement con. Bon, j'espère vraiment que le prochain niveau, j'arriverai à faire maître assassin. Putain, je me foire, j'avais réussi tous les niveaux sauf celui-là, mais celui-là, c'était à cause de la bombe. Je l'ai perdu. Ouais, je sauvegarde souvent parce que je sais pas quand intervenir. Mec! C'est à moi? C'est là que je tire sur l'autre con là-bas. Ah normalement je crois qu'on arrive là. Sauvegardons. Normalement, ça devrait être bon là. Bah, ouais, je me barre. Ah putain, vite. Merde.
Bon, on charge. Et on part par l'autre endroit, je pense. On va rester sur la scène pour que je voie bien le moment alors. Ah merde, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc il y a l'autre qui vient à son secours. Et moi je suis quand même pillé. Il faut attendre qu'il se vautre pour que le truc lui tombe dessus. Normalement il se vautre juste quand il rentre. Oh! Oups! Quoi? Quoi? Il a survécu! Genre, t'as tué les 4 personnes autour de moi, moi j'ai survécu. Et là, ce coup-ci, je devine qu'il n'y a pas le civil de merde qui attend en haut. Le monde est injuste parfois. Bon. Faut vraiment que je fasse quand il rentre. Ah bah voilà! Putain, j'ai eu que lui en plus! Oh bah alors nickel! Bon bah moi je retourne, je me change dans ma loge, hein! On se revoit à Babylone, hein! Bon! Un bon truc de fait! Ah bah les gars, je sais pas ce qui se passe, hein! Pardon? Yeah. C'est qui le plus beau gosse? C'est qui le beau gosse? Bon, bah nous on va descendre et on va aller rechercher notre bon costard et on va se barrer. Bonjour. Bah allez, ferme-toi. Juste quand je m'approche. Bonjour. Ah, j'ai rien de me procher, hein. Je suis tranquille, moi, hein. Je suis nickel. Je m'appelle James Bond, hein. Métier d'acteur, c'est pour un chien. Donc voilà, on a finalement vu le costume de bourreau. C'était pas prévu à la base. Oui, c'est pas très discret de se changer devant tout le monde. Ah bah allez, monsieur, hein. Ah, c'était nul finalement, hein. Cette répétition est ouverte. Bien sûr. Nous avons toujours de nombreux invités. Aujourd'hui, on a l'envoi. Oh mais je crois qu'il est un peu mort. Au Vatican. Il sera installé dans une loge à l'étage. Il vient tout le temps. L'ambassadeur est un fan d'opéra. D'opéra, peut-être. D'un baron, surtout. C'est même plutôt un ami qu'un fan. Pour moi, ils sont... Comment dire... Je vois. L'ambassadeur est un fan. Ouais. 47 cas Alzheimer. Et nous, on se casse ni vu ni connu. Enfin, presque. Vous verrez. Oh mon Dieu. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Eh oui. Putain, j'en ai marre de me fail. Bon, moi, j'arrive à finir discret. Encore. Avantage. Personne sait que c'est moi, à la fin. Deux accidents, tiens, en pleine tête. Fais chier. Ah, de la violence. Putain, spécialiste. Là, je comprends, spécialiste, mais la précédente mission, j'étais pas violent comme ça. Alors, je comprends pas le spécialiste dans le précédent truc. Comment bah, personne m'a vu, mec. Hein. Bon, moi, personne m'a vu, hein. Personne m'y vu. La prochaine mission, normalement, je devrais mieux m'en sortir, j'espère, putain. Spécialiste à vie de recherche. Alvaro Dalvade, retrouvé mort. La police pense qu'il s'agit d'un tueur à gages. 18 mars 2004, la police de Paris a confirmé ce matin que le célèbre ténor Alvaro Dalvarez
Et le secrétaire de l'ambassade américaine, Richard Delahunt, ont été retrouvés sans vie hier au célèbre Opéra Garnier. Par contre, l'inspecteur Fournier, qui est mort peu de temps après, on s'en fout. Le chanteur, M. Delahunt, aurait été victime d'une violente altercation qui a provoqué un autre mort. L'autre victime était un passant innocent qui a eu le malheur de se trouver là au mauvais moment. Ouais, les enquêteurs signalent aussi que 5 coups de feu ont été tirés par un sans argile. Ouais, pour la raison du tir, que le tireur est un fin tireur, peu de balles ont été gaspillées. Les autorités s'inquiètent du fait que la victime ait été brutalement exécutée d'un tir à la tête. La police a déclaré que le manque de témoins rendait cette enquête particulièrement difficile. Bon, au moins je fais quand même discret. Et le mec que j'ai tué, c'était parce que c'était un témoin. Et finalement, c'était le seul. Et... Il avait pas qu'à aller aux chiottes. La police n'a absolument aucun indice sur l'apparence du tueur, personne ne l'est. Ouais. Le perfectionnisme d'Alvaro Davade restera légendaire dans le monde de l'opéra. Il a eu des résultats étonnants si l'on en juge par le talent dont il a fait preuve à chacune de ses représentations. Des rumeurs sur son caractère impossible et ses attirances sexuelles ont fait ombrage à une carrière qui aurait pu être illustre. Certains grands noms de l'opéra ont refusé de travailler avec lui, là je comprends. Hein. 1997, ah bah quand je suis né, un tribunal bulgare a tenté de condamner pour détournement de mineurs et viol sur une fille de 13 ans. Le procès a tourné court quand la victime a refusé de témoigner avant de disparaître. L'accusation a même essayé d'inculper Davade pour la disparition, mais le corps de la fille a finalement été redécouvert au fond d'un profond ravin et ils ont été en ont conclu un suicide. Ouais, cet épisode a beaucoup nuit à sa carrière, il n'a jamais été jugé coupable du moindre crime, mais sa réputation a suffisamment souffert pour limiter le nombre de ses apparitions sur la scène internationale. Mort du vice-président américain. Ouais, on en a entendu parler à la radio de l'autre mec. Le vice-président américain Spalding Burke, je comprends pourquoi on l'a tué, quel nom de merde, a trouvé la mort dans un accident de route hier après-midi. Ça me fait penser à du pudding. Sur une autoroute près de proche de la capitale. Selon le rapport de police de Washington, le chauffeur de la limousine du vice-président a perdu le contrôle sur le véhicule sur la scène périphérique de Washington à la hauteur de College Point dans le Maryland. L'incident a eu lieu vers 17h40. D'après les témoins, la limousine a fait plusieurs têtes à queue avant de se retrouver à contresens et de violemment percuter par un véhicule roulant vers le sud. Le vice-président, son secrétaire général, deux assistants et le chauffeur de la limousine sont morts sur les lieux de l'accident malgré l'arrivée des secours. Le vice-président laisse derrière lui sa femme, Tabitha Porter Burke, et deux enfants, Andrew et Elizabeth, âgés de 6 et 8 ans. Le président Tom Stewart, ah oui c'est vrai, a déclaré une journée de deuil national à la mémoire du vice-président. Il nommera son remplaçant à la fin de la semaine. Aucun nom a été cité pour l'heure et nous nous mettons sous presse. Mais... Ok. Bon, ça pue évidemment. Un chat déclenche une explosion mortelle. Une très forte explosion a secoué hier soir Bondy, un quartier résidentiel de la banlieue parisienne, détruisant 3 maisons et tuant 5 personnes. Les habitants d'Abon ont cru qu'ils étaient victimes d'un attentat terroriste, mais l'enquête policière a permis de démontrer que le coupable n'avait rien d'un ennemi public. Il semblerait qu'il y ait eu une fuite de gaz dans le quartier, a expliqué le lieutenant de la police municipale, Jean Mercure. Ah ouais, le nom de merde. La seule question qui restait à de savoir qui avait provoqué l'étincelle et mis le feu aux poudres. Et je le regarde vous annoncer que le coupable est un animal charmant et adorable. Le lieutenant faisait référence à l'un des 24 chats de Marie-Louise Kessel. Putain, il en a beaucoup. Âgé de 84 ans, qui a péri dans l'explosion. La police pense qu'elle est due à une décharge d'électricité statique provoquée par plusieurs de ces félins. Tous ceux qui ont des chats à poils longs savent qu'ils peuvent recevoir une décharge d'électricité statique lorsqu'ils les touchent. D'après les preuves que nous avons réunies, ce n'était pas beau à voir. Il semblerait que c'est en voulant caresser l'un de ces chats que Madame Kessel a fait exploser le quartier. Oh, minette! Le lieutenant a souligné que nombreux propriétaires de chats à poils longs vivaient depuis longtemps avec leurs compagnons sans avoir jamais déclenché un moindre explosion. C'est vraiment très inhabituel, a-t-il ajouté. Oh, le théâtre fou! Eh ben, on aura tout vu, le cochon rouge. Restaurant extraordinaire. Les grenouilles tueuses détruisent une petite ville. Putain, la tour Eiffel construite par des aliens de Jupiter. Invasion danoise en Chypre. Ambassadeur du Brésil au Kenya battu à Bruxelles. La police lance un appel au public. Bruxelles, Belgique. Par Charlotte Leblanc. Ils ont que des noms de balles. Putain. Eh, manquerait plus que Gilbert Dubois, hein. Deux coups de feu ont été retentis et l'ambassadeur du Brésil du Kenya s'est écroulé. Les mains serrées sur la poitrine. Un individu aux cheveux à la peau
Celui-ci a été aperçu fuyant la scène de crime, tel que les faits reconnus par tous les témoins de l'assassinat de l'ambassadeur brésilien Fernando Ribeiro, survenu jeudi à la terrasse du café du centre de Bruxelles. Les officiels brésiliens, kényans et belges ont fait appel au public pour découvrir l'identité du coupable présumé. Un assassin albinos aurait jailli d'un taxi avant de tirer deux fois sur l'ambassadeur et de s'enfuir à pied. La police locale tente toujours de déterminer le mobile du crime. C'est très déconcertant, déclaré. Oui, évidemment, comme une fois, c'est pas. Comme d'hab, c'est pas là pour rien, ça. Le truc des chats, par contre, là, ça a aucun rapport. Mais ça, le mec albinos. Ça vous rappelle le mec qui lisait le journal au tout début. Du jeu. Stéphane Collado, ah, ça va, pour une fois, un nom pas pourri. Après la mort tragique du vice-président Spudingberg sur une hier, le monde entier s'est penché sur le 25e amendement de la Constitution des États-Unis. Le paragraphe 2 de cet amendement, ratifié en 1967, il stipulait que si un poste devient vacant dans le service du vice-président, le président devra nommer son successeur qui entrera en fonction après un vote majoritaire des deux chambres du Congrès. La plupart des observateurs à Washington pensent que le président a déjà établi une liste des candidats possibles de ce poste. Mais Bill Pin, ok, Bill Pin, hein, chef de la chambre majoritaire, est l'un des plus critiques alors. À l'égard du président, est déjà passé à l'offensive, déclarant lors d'une conférence de presse hier soir que si l'un des candidats demandait l'interdiction du show clonage humain, il se heurtera à l'opposition du Congrès. Ok, du clonage humain, ça pue, hein. De nombreux analystes politiques pensent que la popularité du président Stewart lui permettra de résister à un tel défi, mais certains affirment qu'avec l'élection qu'il approche, il pourrait hésiter avant de se lancer dans une bataille procédure qui risquerait de nuire à sa campagne. Un président populaire en exercice de tous les avantages, a déclaré Ralph Ducker, professeur des sciences politiques de l'Alexander Hamilton Business College. Une bataille politique publique aussi proche qu'une élection ne profiterait qu'à ses adversaires. Il n'a rien à gagner et tout à y perdre. De plus, en répondant aux conditions exprimées par ses opposants au Congrès, il fera un geste dans leur direction, ce qui ne peut que l'aider à gagner le soutien des modérés. Ok. Ben dis donc, c'est qu'il se passe plein de trucs. Oh ben il y a beaucoup de pluie, maxima 10, minima 3. What? Et, oui monsieur, hippopotame bleu est invisible, personne ne peut le voir, partir furtivement comme un ninja japonais. Vous êtes tous ouverture d'anus de 100%? Quoi? Frank Morgan. Ah ben ça a changé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se voit prochainement pour Frank Morgan. Et en attendant, Frank Morgan. Au revoir, Frank Morgan.